la société Edel Bâti. On passe une très très bonne soirée. C'est super. Que du chaos. Ça a été facile. Je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà. Ouais, c'était dur, mais je savais. Ouais, Nino Elite, j'ai 12 combats et il en a 18. J'ai travaillé dur toute la semaine jusqu'à là maintenant pour donner un bon résultat. Franchement, on va dire la préparation, elle a commencé là, ça fait un an, parce que ça fait un an que j'ai pas boxé. Depuis, on va dire, début 2016, j'ai pas boxé, j'ai pas monté sur le ring, mais je m'entraîne, je prépare et ça paye. La soirée magnifique, super, donc Montassar parfait, merci. Et puis Johan, un KO, donc j'espère que le petit jeune il va bien là. On n'a pas eu d'infos encore sur le petit jeune par rapport au KO. Organisation très très bien, parfait. Très belle ambiance, merci. Mon adversaire était en forme, mais on a bien travaillé avec mon coach Albert Vera, qui est de The Temple à Bordeaux. Ça m'a fait plaisir, je me suis fait plaisir ce soir. Super belle organisation. Je remercie ma famille, je remercie mes amis, je remercie mon coach Albert Verace. Je remercie mes petits sponsors Ruka, Shock Design et The Temple. Et je vous fais des gros bisous à tous, merci beaucoup. Super combat, il domine sur le corps à corps, avec un adversaire beaucoup plus grand. Et ben voilà, il veut mettre plus de points. Donc suite logique, il gagne victoire à l'unanimité juge. Bonjour, je m'appelle Soa, donc ça fait la troisième fois que je viens sur Punch Lab et plus ça va dans les années qui viennent et ben plus ça monte en puissance et plus c'est super. Donc bonne continuation, Nordin on kiff et à quand le prochain ring sur le Mans. Satisfait de la victoire. On est satisfait de la victoire, mais on va dire qu'on aurait pu, faire mieux au niveau de la manière. Bon, voilà, on retiendra l'essentiel, c'est-à-dire les 3 points. Hein, on retiendra la victoire sur ce combat-là. C'est beaucoup d'expérience face à un boxeur expérimenté qui est classé nationalement. Maintenant, j'espère qu'à mon tour,
J'aurai aussi cette chance de grimper dans les classements nationaux qui me permettront, pourquoi pas, d'aller briguer une victoire nationale, un titre et pourquoi pas même mieux un jour, Inch'Allah. Félicitations, champion. Satisfait? Moi, oui, ça va, super. Je suis content pour lui. Bon, ça va, il manque un peu de rythme, mais bon, dans l'ensemble, on a bien fait. C'était un peu dangereux de la tête, mais bon, malheureusement, il a plus de métier que lui, hein, et je suis content pour Mehdi. Merci. Ah, Nordine, c'était un plaisir de venir à ce Punch Live 3. J'ai assisté au numéro 2 et j'étais vraiment conquis par le spectacle. Pas l'habitude de voir des combats de boxe, c'était vraiment très intéressant. Remercier ce soir tout le public de du Mans. Franchement, c'était il y avait de l'ambiance. C'est une super soirée. Je remercie Nordine Harik pour son invitation. Franchement, c'est la troisième édition que je fais et je le remercie beaucoup. Ouais, merci, le public, il a été super présent. Je vous remercie tout le monde. Je remercie tout le monde, même tous ceux qui partent avant. Alors, dis-nous un petit mot sur l'ensemble de ce combat. Ce combat, super combat d'Abdel. Qui s'est bien préparé physiquement, il fait des rounds tout le temps à la salle, il est très assidu. Après voilà, techniquement il est au-dessus. Il gagne le combat, il parle de compte, il a un gros punch Abdel.
Ça, c'était tout le temps sur tous ses combats, il fait puncher, il fait compter les mecs, donc c'est bien. Donc après, maintenant, il faut qu'il travaille sur quand les puncher au bon moment, le bon timing, et c'est bon, ça va le faire, quoi. Une très belle soirée, un très beau gala, une belle organisation. Il y avait la participation de plusieurs partenaires privés et publics. Aujourd'hui, c'est l'entreprise Duval Métallu, avec moi le patron lui-même qui a sponsorisé cette soirée. Ouais. Alors, je vous laisse vous présenter votre structure et un petit mot sur l'ensemble de ce gala, de cette soirée. Alors donc, ma société Duval Métallu est spécialisée dans les façades en verre, en aluminium et tout ce qui est la métallerie. Pour ce qui est de la soirée, c'est la deuxième édition que je fais et il faut reconnaître que ça monte en puissance au niveau de la qualité des combats. Donc on a vu de très très beaux combats. On a une pensée pour ce boxeur qui a été accidenté, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de séquelles et qu'il s'en sortira bien. Mais la soirée est tout à fait réussie, il y avait un grand public de connaisseurs hein, qui ne crient pas beaucoup, mais qui goûtent et apprécient la boxe. Donc c'était une très belle soirée, on peut féliciter Nordine qui a fait un excellent travail. C'est un gala qui aurait mérité d'être télévisé. Je pense que s'il y aurait eu la télé, il aurait pu avoir plus de combats pro, parce qu'il n'y en a que deux en anglaise. Mais si on aurait pu avoir la télé, ça aurait été un plus. Tout comme le gala qu'on a fait à Cahors, voilà. Mais c'est un très beau gala, il y a énormément de monde. C'est une très belle soirée. Je pense que c'est une réussite pour Nordine, c'est même sûr, c'est une réussite pour Nordine, ce gala. Et en tout cas, je suis très fier de lui et de ses partenaires. C'est une très belle soirée, ça se passe très très bien. On a des bons combats et voilà. En tout cas, merci à Boxing Mag d'être venu. Nous sommes à la conclusion de la Punch Live Fight Night 3. Notre ami Nordine Haric, qui était simplement organisateur, promoteur et directeur général de Punch Live ce soir, est un organisateur comblé. Cette troisième édition a été un succès absolu. Sold out, la salle était pleine, de nombreux partenaires qui l'avaient aidé et soutenu dans son projet. De l'avis général, c'était une réussite totale. On a eu 8 rencontres, comme c'est la coutume avec Nordine Haric, qui avait du kickboxing version carbon rule, il y avait également du Muay Thai, de la boxe amateur anglaise et puis de la boxe professionnelle également. Voilà, on est d'ores et déjà impatient d'être à la Punch Live Fight Night 4. Puisque notre ami Nordine nous confirme qu'il souhaite bien terminer sa carrière sur un championnat WBC Méditerranée minimum et si possible dans le cadre de ses organisations. Voilà, très très belle soirée, très bonne ambiance, un état d'esprit exceptionnel, que ce soit les bénévoles, les visiteurs, les boxeurs, à refaire et ça fait plaisir. Voilà, c'est de la bonne, on est fatigué parce qu'il est tard, mais c'est de la bonne fatigue. Jean-Pierre Cossegal. Pour Boxing Mag, à très bientôt, bonne continuation, merci, au revoir.